Régal vespéral, à la table de la parole. Régal vespéral, à la table de la parole. Régal vespéral, à la table de la parole. Régal vespéral, parole, brotabla. Et maintenant, frères et sœurs, écoutons notre message pour ce soir. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à et 10. Dieu nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la mort. Frère Axenio, entendez des messages pour Assoya. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, rivenant 10. Parce que, bon Dieu, pas choisi nous pour nous tomber en bas colère, mais pour nous délivrer. Grand merci Jésus-Christ, c'est nous. Jésus est mort pour nous vivre ensemble avec lui. Comme ça, quitte nous mourir déjà, quitte nous vivant toujours, les la vie n'y a. Nous tous n'a toujours ensemble avec lui. Prions. Dieu très grand, toi qui éclaires notre nuit jusqu'à l'aube, béni sois-tu pour l'immense profusion de tes actions. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, un visage nouveau. Fais souffler sur nous un souffle de paix profonde. Bénis nos travaux de chaque jour et que ta parole fortifie notre cœur, raffermisse notre espérance. Que ton souffle divin nous régénère et fasse jaillir ta lumière en nos cœurs. Que nos vies fécondent de paix à ton vent, par ta grâce, éveille en nous l'amour de Jésus. Maître de la vie, rends-nous meilleurs, fais-nous accueillir ton message et vivre selon la justice. Donne-nous d'accueillir aujourd'hui et chaque jour, avec un cœur pur, ta parole, pour qu'elle nous guide sur le chemin de la justice et de la paix. Garde-nous du péché, purifie nos âmes, fais de nous le temple de l'Esprit Saint. Donne-nous force et courage au milieu des épreuves. Oriente nos désirs vers le ciel. Puisse tes enseignements pénétrer nos cœurs et transformer nos vies. Père de toute miséricorde, accorde à notre peuple souffrant d'être soutenu par la prière de Jésus lui-même. Donne au pays la joie de donner naissance à de meilleurs enfants qui soient capables de prendre soin de lui, de défendre ses intérêts. Accueille notre prière pour les personnes malades. Fais-les bouler d'amour pour toi qui interviens toujours avec miséricorde en faveur des démunis. Remplis leur vie de l'effusion de ton Esprit Saint pour ta louange et pour ta gloire.
Ravis les cœurs de nos parents, des tout petits aux plus âgés. Envoie sur eux un rayon de ta divine lumière et de paix. Accorde une abondance de grâce à nos amis, à nos bienfaiteurs, à ceux qui se confient à notre humble prière. Porte secours à ceux qui traversent des moments orageux. Montre ta miséricorde aux souffrants. Envoie le corbeau céleste apporter du pain dans nos maisons. Fais souffler un grand vent de paix sur notre peuple. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.